Loughlin était une peinture qui était disponible au niveau de Colorado depuis 2015. Et c'est un produit qui était certifié antibactérien. Et suite au premier confinement que nous avons eu, notre direction générale nous a demandé si on pouvait développer davantage les propriétés du produit tout en augmentant la possibilité d'avoir un produit antiviral. Donc nous avons eu la même démarche, c'est-à-dire pouvoir avoir une certification également au niveau des antiviraux. Donc on a testé au niveau des coronavirus, on a eu un résultat très très intéressant puisqu'en fait au bout de 4 heures, nous avons une mortalité qui est quasiment totale au niveau des coronavirus. Et donc nous avons également une certification européenne avec une norme ISO. Et ça fonctionne tellement bien qu'on a pu développer également en machine à teinter. Nous avons une gamme de blanc naturellement, mais également une gamme de plusieurs milliers de teintes qui seront disponibles pour ce genre de choses. Donc Colloclean, il y a deux façons différentes de l'aborder, aussi bien sur la partie antibactérienne qui existait déjà. Et puis depuis le premier confinement, donc l'avantage de Colorado, c'est qu'on a pu également développer une peinture qui soit également antivirale et surtout très spécifique au coronavirus. Colloclean a été déjà certifié avec un laboratoire européen sur la partie bactéries. Nous avons essayé également de faire le même protocole, de se mettre en contact avec des laboratoires extérieurs, des laboratoires européens qui étaient reconnus au point de vue international pour faire également des tests au niveau des virus. Donc nous en avons trouvé un en France qui est certifié également. Donc on a également une certification, une double certification ISO pour la partie bactéries, pour la partie virale. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait c'est simple, c'est au niveau du contact, c'est-à-dire les bactéries ou les virus quand ils se déposent au niveau de la surface de Colloclean, eh bien nous avons une mortalité qui est quasiment de 100% à 24 heures au niveau des bactéries. Nous avons une mortalité qui est 94% au bout d'une heure pour les virus type coronavirus. Et cette mortalité est à 99, quasiment 100% au bout de 4 heures. Et tout ça certifié par des laboratoires européens.